suis convaincu que Bitcoin, c'est la monnaie d'Internet au final. Parce qu'en fait, BTCP, le truc, c'est qu'une fois que c'est installé et que c'est sur votre serveur, au final, ça va toujours tourner. Les régulations rendent la vie de plus en plus difficile aux professeurs de paiement centralisés qui veulent suivre les régulations. Parce que la dernière version de BTCP Server, on active PayJoin pour les marchands qui utilisent le hot wallet par défaut. Ah bah moi, j'ai jamais été aussi bullish que depuis aujourd'hui. Ouais, Et chaque je dis jour un ça peu tous les plus. jours. Attention, si vous tombez dans le dernier Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nicolas Dorier, donc le créateur de BTP Server. Merci beaucoup Nicolas d'être avec nous. Ah, merci pour l'invite. Alors du coup cette interview est dans le cadre de Surfing Bitcoin avec un petit peu de retard, mais si vous voulez un retour d'expérience, regardez-le, c'est la meilleure conférence francophone sur Bitcoin. Nicolas, du coup on va commencer par la question classique du podcast, hein, tu t'en doutes, qui es-tu, comment es-tu dans Bitcoin? Présente-toi un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, alors j'ai rejoint Bitcoin, je crois que c'était en 2014, c'était juste après la chute de MTGOX. En gros, bon, avant MTGOX, je pensais que Bitcoin était une monnaie de start-up et en fait, je voyais pas l'intérêt parce que y a énormément de monnaies digitales qui existent déjà. Et quand j'ai vu en fait le MTGOX qui a crash, il y a juste un truc qui m'a assez surpris, c'était que quand tu allais sur les forums pour voir, en fait, je voulais voir pourquoi les gens ils étaient aussi contre cette fée Bernier. Et en fait, quand je regardais sur les forums, je me rendais compte que les gens n'étaient pas du tout en colère envers Bitcoin, mais envers la plateforme d'échange, ce qui est normalement pas le cas quand tu es dans un scam. Quand il y a un scam et que le scammer, il fait un, comment on appelle ça? Rug pull. Ouais, En je vois très général, bien ce que tu veux dire. tu t'énerves sur le scammer. Et là, les gens, ils n'étaient pas énervés sur Bitcoin, même ceux qui ont perdu de l'argent. Hein, ceux qui ont perdu de l'argent dessus, ils croyaient toujours en Bitcoin. Donc, c'est vrai que ça m'avait un peu attiré. Et bon, aussi, j'avais eu mon histoire de. Bon, un peu, j'ai envie de dire que tout le monde a un peu eu avec les problèmes de banque, où je crois en 2011. J'avais fait ma première boîte, on avait déposé le bilan. Bon, c'était pas grand-chose, c'était genre la seule facture qu'on n'avait pas payée, ça devait être 1000 euros, un truc comme ça. Et en gros, j'étais flagué dans une liste noire, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a une liste en gros où on est flagué. Et en fait, c'était impossible après que j'ouvre un compte en banque dans n'importe quelle banque. J'ai voulu recréer une entreprise après. J'ai dû aller dans sept banques, leur demander de signer un papier à chaque fois qu'ils me refusent et en fait après aller à la Banque de France et que la Banque de France force une de ces banques à m'accepter et une fois qu'une de ces banques m'a accepté en fait ils m'ont dit bon bah vous êtes bien gentil mais on n'a pas envie de vous voir donc du coup vous avez accès à aucun service à part venir consulter à votre compte en vous déplaçant à la branche. Donc en fait, j'avais une carte de débit de merde qui est acceptée nulle part. Ils appellent ça la carte Electron. Et si je voulais faire n'importe quelle opération, je pouvais même pas utiliser les services sur Internet. Je devais me déplacer à la branche. Donc voilà, j'étais un peu vénère sur les banques. Et en fait, j'avais jamais compris d'où ça venait en fait, pourquoi on avait tant de mal. Et c'est vrai qu'en découvrant Bitcoin, bah, on tombe un peu dans le terrier du lapin blanc où on découvre un peu l'envers du décor et voilà. Et donc j'ai été plus réceptif que la moyenne à ce stade-là. Ah, pour ceux qui le savent, hein, j'ai également eu tous mes comptes bancaires entreprises bloqués, parce que du coup, j'étais dans Bitcoin et les banques, ils ont fait ah ben non, en fait, si tu fais du Bitcoin, t'as pas de compte bancaire. Donc, j'ai eu Société Générale qui m'ont dégagé, je suis parti chez Crédit Mutuel, ils m'ont dégagé 2 mois après, je suis parti chez quelqu'un d'autre, j'ai reçu la petite lettre après 1 mois d'activité en mode vous avez 3 mois pour partir. C'est un bordel. Donc, aujourd'hui, Ah c'est le moins de bah mal c'est bien, possible, le mieux. ils t'ont laissé du temps pour te barrer, c'est bien ça. Ils ont toujours 3 mois. Je change de Gentil, banque et j'ai 3 mois pour rechanger de banque. Bah, maintenant, c'est un peu plus stable, mais enfin, c'est un bordel. Donc, on comprend tout de suite la frustration quand on est dans le système traditionnel. Avec Bitcoin, c'est d'une simplicité astronomique. Justement, aujourd'hui, tu offres littéralement un service qui dit il n'y a plus besoin de visa et plus besoin de banque. Si jamais tu veux vendre quelque chose, tu n'as pas besoin d'un compte bancaire. Et c'est absolument incroyable. Donc, vous le savez, je suis en train de développer
le côté marchand de cette chaîne. Et moi, je ne vais pas intégrer de carte bleue. Enfin, je veux dire, ce sera que Bitcoin. Et du coup, je n'ai pas besoin de compte bancaire, parce que dans tous les cas, ils ne veulent pas que je fasse ça, pour pouvoir accepter quand je vais vendre de la marchandise. Donc cette solution, j'en ai parlé un milliard de fois sur la chaîne, vous le savez, ça s'appelle BTP Server. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des débuts et qu'est-ce qui t'a poussé, donc, outre Bitcoin, à vraiment partir sur le paiement? Ouais, alors ça, bon, ça fait mon histoire dans Bitcoin. Quand j'ai commencé Bitcoin, je me suis pas mis tout de suite à BTCP Server. En fait, il y avait très peu de ressources techniques pour savoir comment Bitcoin fonctionne. Donc, quand j'ai découvert Bitcoin, une fois que j'ai compris pourquoi Satoshi avait créé cette monnaie, je me suis penché un peu sur la partie technique. Et en fait, de mon côté, la meilleure façon d'apprendre quelque chose de nouveau, en fait, c'est d'essayer de l'implémenter en code, en fait. Et j'ai créé une librairie qui s'appelle nBitcoin. En gros, si vous utilisez la technologie .NET et que vous voulez intégrer les paiements Bitcoin, ou en fait, on supporte même des shitcoins, vous pouvez très facilement utiliser ma librairie. En fait, j'ai appris Bitcoin en développant cette librairie. Et en fait, cette librairie, j'ai commencé en 2014 et je la maintiens toujours maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai commencé Bitcoin, j'ai jamais arrêté. Au final, j'ai construit tout de la base, la librairie. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je construis les couches qui sont dessus. Et la dernière couche qui est la populaire, je dirais, c'est BTCP Server. J'ai commencé quoi? C'est 3 ans, je sais pas, 3-4 ans. J'ai plus la mémoire du temps, mais oui, c'est. Mais bon, il y avait. Avant BTCP Server, ouais, j'avais commencé par cette librairie. Et la raison que j'ai la... pour laquelle j'ai commencé BTCP Server, c'est en fait, il y a 3-4 ans, il y avait pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, il y avait une espèce de guerre dans la communauté Bitcoin entre avoir des blocs plus petits et des blocs plus gros pour régler le problème de ce qu'a, voilà, block size war pour régler le problème de scalabilité de Bitcoin. Et en fait, il y avait deux clans qui sont confrontés. En fait, il y avait le clan qui voulait faire des blocs plus gros. Et en fait, l'idée, ça serait que les boîtes, du coup, ils ont plus de temps pour améliorer leur infrastructure et compagnie. Donc, on appelait ça le kick the can down the road. Donc, je sais pas. On repousse le problème à plus loin et on Voilà, l'amène plus près. repousse le problème à plus tard. Mais le problème, c'est que si on fait ça, bah, on sait que quand ça va arriver plus loin, il va avoir le même problème et ça va être la même réponse. Donc, du coup, et aussi, augmenter la taille des blocs, ça veut dire qu'il y a Bitcoin devient impossible à utiliser de certaines façons. Par exemple, aujourd'hui, Bitcoin, si vous voulez avoir votre propre nœud et avoir vos propres membres Lightning, vous pouvez très bien avoir une Raspberry Pi, c'est un ordinateur qui coûte moins de 100 $. Même avec un petit ordinateur de 50 $, vous pouvez faire tourner votre nœud et être complètement indépendant. Et en fait, si on augmente la taille des blocs, au final, bah, ça devient plus possible. Et si ça devient plus possible, ça veut dire que les gens ils deviennent de plus en plus dépendants de services qui rendent ça plus facile pour les autres. Et si tout le monde dépend du même service, bah au final, au bout d'un moment, on va se retrouver dans le même problème que Bitcoin essaye d'échapper, qui est d'éviter des centres de contrôle, quoi. Si t'as 2-3 service providers qui se baladent pour faire tourner les services Bitcoin et que t'as le gouvernement qui leur tombe dessus, bah voilà, après on est obligé de suivre ce qu'on nous demande. Donc voilà, le but, à cette époque, c'était vraiment de garder Bitcoin petit pour que plus de monde puisse le faire tourner par eux-mêmes. Et il y avait une boîte que j'aimais bien avant cette guerre qui s'appelait BitPay. Et je la conseillais à beaucoup de personnes, en fait. J'ai même aidé à l'implémentation de l'intégration de leur service pour certains marchands. Et en fait, bah, quand il y a eu cette guerre, ils ont été dans l'autre camp et ils ont été très... je dirais, avoir un autre avis, c'est une chose. Mais ce que j'ai vu, c'est beaucoup de malhonnêteté, en fait. Ils essayaient vraiment de cacher le problème à leurs clients. Et en fait, ils étaient en train de dire à leurs clients, hey, il va avoir une update, une mise à jour de Bitcoin. Vous n'avez rien à faire. Et en fait, ils ne leur disaient pas qu'il y avait un problème, qu'il y avait cette guerre et que
il allait avoir au final deux bitcoins, enfin un bitcoin et une shitcoin. Et en fait, le bitcoin allait, BitPay allait vraiment passer leurs marchands sur cette shitcoin sans leur dire en fait. Donc ce qui est très, c'est malhonnête, hein, c'est même frauduleux. Quand j'ai vu ça en fait, ça m'a énervé. Et au final, le problème, c'est devenu un problème. En fait, ça trigger beaucoup de personnes parce que c'était une boîte dont beaucoup de marchands dépendaient. Et les marchands, ils n'avaient pas le choix. S'ils voulaient pas que leur store il continue de tourner, leur boutique continue de tourner, ils devaient les suivre. Et en fait, on est arrivé à cette situation tout simplement parce que les gens, ils commençaient à dépendre de ces intermédiaires de paiement parce que c'était plus simple. Et au final, voilà, on se retrouvait dans la merde. Donc c'est pour ça que moi, à ce moment-là, j'ai dit ok, je vais créer une solution de paiement qui va faire en sorte que tout le monde puisse devenir leur propre processeur de paiement, un peu le WordPress de paiement de processeur de Bitcoin. Et j'ai commencé BTC Pay Server en fait. Et au début, en fait, j'essayais d'utiliser la même interface API de BitPay parce qu'en fait, je voulais pas tout reconstruire de zéro. Je voulais BitPay avait une certaine communauté qui avait développé beaucoup de plugins. Et en fait, je voulais juste que tous ces plugins-là marchent sur ma plateforme. Donc, du coup, j'avais répliqué leur API. Et c'est comme ça que BTC Pay a commencé et a pu se bootstrap assez rapidement. Ouais, alors c'est un véritable succès, hein. Donc, je disais, tous les ans, j'ai l'impression que ton équipe est grossie. Alors, c'est beaucoup de volontaires, il y a des gens de partout dans le monde, c'est impressionnant. C'est quoi un peu, voilà, vous en êtes où là, après 3 ans? Si tu peux faire un mini bilan, est-ce que... Écoute, quand j'ai commencé, au début, c'est comme tout projet, hein, c'est un peu solitaire. Et puis au fur et à mesure, t'as des gens qui veulent aider ou qui veulent tout simplement utiliser ce que j'ai fait. Et en fait, c'est grâce à ces gens que quand tu as un marchand qui commence à essayer d'utiliser ce que tu fais, il va essayer d'utiliser, mais en même temps, il te rapporte les bugs. Et t'as ce cycle de feedback qui se crée. Et tu peux faire en sorte que le produit devienne mieux en mieux du jour au lendemain, enfin tous les jours en fait. C'est vraiment plus un marathon qu'un sprint, hein. C'est répondre aux problèmes des gens et puis itérer sur la solution. Et en fait, au fur et à mesure que tu fais ça, il y a plus en plus de gens qui utilisent ton produit et il y a aussi plus en plus de gens qui veulent développer ou améliorer le produit pour faire des fonctionnalités qui veulent. Et je crois que le premier développeur, ça devait être Rockstar Dev, par exemple. Le plus gros marchand aujourd'hui, un des gros marchands qui a été, un des premiers utilisateurs de BTC Pay qui a été un gros marchand, c'est CoinCard. Je sais pas si tu connais, ils sont basés au Canada. Et typiquement, Mike, c'était l'un des premiers utilisateurs à donner beaucoup de feedback. Après, il y a eu une équipe, une boîte de mining, Halong Mining. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque, pareil, de cette guerre. C'était des ASIC manufacturers. Donc, ils ont aussi beaucoup aidé. Puis bon, au bout d'un moment, ça grossit de plus en plus. Mais il y a toujours une limite. Après laquelle il devient de plus en plus difficile de grossir parce qu'en fait, plus un projet devient gros, plus il y a de communication entre les différents acteurs et plus il devient difficile d'avancer, je dirais. Et l'approche qu'on a prise ces dernières années, donc il y a 1 ou 2 ans à peu près, c'est d'essayer d'ouvrir BTC Pay plutôt que d'essayer de faire en sorte que BTC Pay fasse tout en interne. On a essayé vraiment de créer une API de A à Z qui permet de tout faire sur BTC Pay Server à partir d'une API. Et en fait, on espère encourager des communautés de construire par-dessus BTC Pay Server. Donc, typiquement, on a fait cette API. Donc, en fait, les gens, ils créent leur propre plugin là-dessus, ils créent leur propre service. Et en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on essaye
d'encourager les gens. Plutôt construire au-dessus de BTCP plutôt que de rejoindre l'équipe et essayer de faire en sorte que BTCP devienne trop gros et ingérable, en fait. On essaie vraiment. C'est un peu comme WordPress au final, Ouais, hein, mais ou c'est WordPress. super. D'ailleurs, vous êtes vachement bien intégré Voilà. avec WordPress, j'ai vu, avec WooCommerce maintenant. Ouais. Bah, en fait, on veut vraiment utiliser le même modèle que WordPress où, bah, au final, tu as un cœur qui fonctionne et on crée une communauté qui se met à construire au-dessus de ce cœur et qui fait. Les gens, ils font ce qu'ils veulent après dessus et c'est pour ça que ça grossit. Tu as une communauté de consultants, de développeurs open source. Puis, bon, je sais pas si tu as vu, mais nous aussi, hein, on se connecte beaucoup à la communauté. Par exemple, il y a beaucoup de projets qui ont essayé de prendre l'approche, OK, on va tout faire. Hein. Tu sais, c'est l'approche Walled Garden. Ça en français. C'est un peu l'approche Apple, où tu essayes de tout faire en interne et tu as un truc qui devient de plus en plus gros. Nous, on est plus dans l'optique, on regarde ce que les autres teams dans Bitcoin font et on essaye de s'intégrer à eux plutôt que de tout faire à l'intérieur de Ouais, non, BTCP, en c'est fait. super. C'est une Vraiment. mentalité très Bitcoin, hein, finalement. Enfin, donnez les Ah outils bah et oui. faites ce que vous voulez. Vous êtes tous indépendants et des grandes personnes. Voilà, exactement. Et c'est. Du Et coup. ça nous aide parce que ça attire beaucoup moins les foudres de régulation et compagnie. Parce qu'au final, Oui, c'est comme même si Torrent. les. C'est comme Torrent, exactement. Qu'est-ce que tu veux arrêter? Les gens, ils construisent sur notre produit, on ne peut pas les arrêter. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Bah non, je sens que c'est la bonne approche. Donc évidemment, tout est open source. On demande au cas où au créateur, mais en principe, c'est tout open source. Du coup, il y a forcément cette question de confiance. Donc tu en as parlé là, avec BTCP avant et le fait que ça soit open source. C'est quand même super important que dans Bitcoin, que les gens soient indépendants et n'aient pas besoin de vous faire confiance. Donc vous pouvez pas être les méchants. Souvent, cette phrase cannot be evil, or don't be evil. Bah voilà, vous pouvez pas. C'est genre vous donnez un outil, il n'y a pas de triche, vous pouvez pas voler l'argent des gens. C'est super Voilà. important que les gens comprennent ça. Voilà. Alors, il y a différentes étapes de confiance. Je dirais que l'étape du. Bah, en fait, ça a été un peu l'objet de ma vidéo que j'avais fait Pour pour surfing. Surfing Bitcoin, où je disais qu'il y a plusieurs niveaux de confiance. Si tu essayes d'encourager un nouveau marchand qui connaît rien à Bitcoin, je pense que là, il faut pas le surcharger d'informations, lui dire OK, vous pouvez être complètement indépendant et tout ça. Pour l'instant, c'est trop tôt. Tu sais, quand ils arrivent dans Bitcoin, ils ont tellement de choses à apprendre. Ouais, t'en as Euh, plein. j'ai envie de dire que des fois, la meilleure solution, des fois, ça paraît con, c'est un QR code. Ça paraît simple, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Mais au moins, ça permet aux gens de goûter à Bitcoin sans avoir une surcharge d'informations qui fait en sorte qu'au bout d'un moment, ils frisent complètement et ils ne savent pas quoi faire. Voilà, un QR code, si ça peut faire l'affaire, pourquoi pas. Et après, en fait, c'est vraiment la motivation des gens de voir les limites qu'ils vont rencontrer. En fait, quand ils vont utiliser le QR code, ils vont peut-être, s'ils arrivent pas, s'ils voient pas les limites, bah ça va très bien. Ça veut dire que le QR code, c'est exactement la solution qu'il leur faut. Mais si c'est pas la solution qu'il leur faut, ils vont voir eux-mêmes. Ils vont voir eux-mêmes les problèmes qui se posent. Et en fait, grâce à cet apprentissage, devenir bah, de plus en plus indépendant au final. On en était où? Donc t'expliquais que, petite coupure technique, t'étais en train de nous expliquer voilà, que les gens vont voir leurs limites, et c'est vrai que le QR code, bah, c'est d'une simplicité absolue, sauf que quand tu commences à faire beaucoup de volume, quand tu te rends compte que tout ton argent est dans la même TXO, enfin c'est dans la même adresse on va dire, tu vas peut-être te dire qu'il y a des problèmes à la fin du mois quand tu fais ta compta, tu vas en plus tomber dans le terrier du lapin, donc tout de suite tu vas te dire attends, il faut que je fasse attention à ma vie privée, c'est pas normal que ça prenne autant de temps, peut-être qu'il faut intégrer Lightning, et de plus tu vas te dire bon ok en fait c'est Lightning qu'il me faut. Bah, tout de suite, ça demande plus de taf. Et c'est là où les gens doivent implémenter. Voilà, et même le QR code, un truc simple qui est chiant, c'est par exemple quel est le taux de change que tu veux sur lequel tu veux te faire payer. Ça veut dire que si t'as un QR code, il faut que tu fasses le calcul à la main sur ta calculette. C'est chiant, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, le marchand, s'il découvre ce problème par lui-même, c'est bien. Ça veut dire qu'il va être motivé de voir la solution d'après et va mieux comprendre l'intérêt de la chose. Et en fait,
Comme je dis, la solution d'après, c'est pas forcément d'avoir ton propre serveur. Tu peux aussi, toi par exemple, là, tu apprends à tes compagnies à mettre le pied à l'étrier à Bitcoin. Tu pourrais très bien héberger le serveur toi-même et donner à tes marchands, tu leur donnes un hardware wallet sur lequel ils peuvent dépenser. Et en fait, du coup, ils n'ont pas à avoir leur propre serveur. Ils peuvent tourner sur le tien et puis au bout d'un moment, peut-être au bout d'un moment, ils veulent par exemple Lightning Network. Et là, à ce moment-là, ils vont avoir besoin de leur propre serveur et ils peuvent passer à l'étape suivante. Donc, je pense, je suis assez, je crois pas mal en cette, comment dire, en cette tactique d'essayer de la solution la plus simple qui permet à la personne de mettre le pied à l'étrier et d'aller plus loin après, quoi. Ouais, t'as complètement raison. Parce que donc on se rend compte, hein, de toute façon, quand on est dans Bitcoin, et je l'ai vu même avant moi, hein, il y a tout à faire. Enfin, il y a tout à créer, il y a tout à recréer. T'as une quantité illimitée de possibilités de développement. Et on est encore au début de cette industrie. Donc là, on a parlé de Lightning Network et tout bazar. En plus de ça, vous avez dit que vous allez intégrer Taproot, ou il y a eu une annonce là-dessus. C'est quoi un peu votre stand? Et c'est quoi les prochaines évolutions? Donc t'as parlé comment tu veux que la société grossisse. En interne, vous travaillez sur quoi comme tech, du coup, là, Taproot, vraiment du Lightning Network un peu plus Alors, poussé? j'ai envie de dire que on n'est pas une société, donc on n'a pas vraiment ce Oui, modèle bien sûr, c'est un projet. de décision. On a des idées par où aller. Par exemple, on veut faire en sorte que les gens ils construisent au-dessus de Bitcoin plutôt que tout mettre à l'intérieur de Bitcoin. Exactement comment on va le faire, on le découvre un peu au jour le jour. C'est un peu l'anarchie concernant le développement. Mais concernant Taproot, c'est moi qui voulais l'intégrer. Hein. Du coup, on a commencé à bosser dessus. On a eu la personne qui a bossé dessus, c'est d'ailleurs un contributeur qui n'avait jamais contribué avant. Je crois qu'il était même en stage, si j'avais compris, dans une boîte et il avait laissé bosser là-dessus. Ouais, donc l'intégration à Taproot, c'est vraiment pour un marchand normal, je vais pas leur dire d'essayer de Taproot parce qu'ils n'en verront pas l'intérêt. C'est vrai y a très peu de choses qui le supportent, mais pour les Bitcoiners, les vrais, tu vois, ils disent oh, putain, ouais, c'est bon, je peux recevoir sur Taproot, ça va être fun. Puis voilà, au moins tester ça. Et en fait, du point de vue du marchand, il y a un intérêt à utiliser Taproot, c'est que tu as moins de frais de transaction pour les. Parce qu'en fait, un marchand reçoit énormément d'UTXO. Et en fait, Taproot en global, ça coûte un peu plus de fees. Mais par contre, pour les entités qui ont beaucoup de TXO, ça fait moins de fees. Y a quand même un intérêt pour les marchands d'utiliser Taproot. Il est pas énorme, c'est un marchand qui n'a pas un pur hardcore Bitcoiner, mais pour les hardcore Bitcoiners, c'est quand même sympa d'avoir. Puis bon, on est quand même un projet Bitcoin. En premier abord, donc c'est important qu'on soit à jour. Ouais, non, j'imagine bien. C'est rigolo, donc tu es au Japon, tu as fait le move il y a quelques temps. Donc nous, enfin, je suis en France et souvent ma communauté est plus francophone. Ça dépend des juridictions, mais nous en France, on a une loi complètement absurde qui nous taxe si on dépense nos bitcoins. Donc déjà, la France, c'est le pire endroit au monde pour essayer d'être un marchand bitcoin. Parce que si les gens respectent la loi et déclarent tout bien comme ils devraient, naturellement, ils sont taxés 30% de plus-value quand ils veulent acheter un bien ou un service en bitcoin en France. Je pense que c'est pas le cas au Japon, tu me dis si je fais une erreur. Alors, j'ai envie de dire pour ça, le Japon est pire. Ah Enfin, ouais? ouais. Alors, c'est en fait, tout dépend si c'est une entreprise ou c'est un particulier. Au Japon, ce qui se passe, c'est que tu es taxé quand tu vends. Donc, c'est pareil qu'en France, sauf que c'est pas une flat tax, ça se rajoute à ton impôt sur le revenu. Ok. Ça veut dire que si tu travailles, il faut mieux pas que tu vendes tes bitcoins. C'est quand tu pars à la retraite, il faut mieux que tu vendes tes bitcoins. Ok. Et voilà, si tu vends tout d'un coup, bah, tu peux te retrouver avec à payer entre 50 et 60% de taxes facile. C'est pour ça que c'est pas possible. Par contre, c'est une entreprise.
Tu es payé sur les gains non réalisés. Donc en fait, c'est tout simplement à la fin de l'exercice comptable. Il regarde le prix du Bitcoin, il regarde la moyenne pondérée à laquelle tu as acheté ça, et en fait, tu dois payer tes taxes là-dessus. Et bon, je dirais que c'est pas plus mal. Et du coup, si tu perds de l'argent, bah, ça veut dire que tu paies tes taxes aussi. Hein. Du coup, ça c'est bon dans les deux sens. Voilà. Et du Et coup, parlant du Japon, y a de l'adoption Bitcoin là-bas? Je serais curieux, toi qui es sur place, est-ce que tu vois que ça grossit à travers les années? Un autre truc qu'il faut savoir, c'est pour éviter de payer les taxes en Bitcoin, je pense que la meilleure façon, c'est la façon où j'espère que ces services vont se développer, où vous pouvez faire un emprunt en mettant vos Bitcoins en collatéral. Et dans ce cas, ça devient possible d'avoir des liquidités sans pour autant payer des taxes. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. En ce qui concerne l'adoption de Bitcoin au Japon, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas énormément d'adoption vis-à-vis des marchands de tous les jours. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas utiliser Bitcoin pour acheter ce que vous voulez. En fait, il suffit d'utiliser les gift cards, les cartes cadeaux. Ces cartes cadeaux, on peut les acheter avec Bitcoin. Et à partir des cartes cadeaux, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Donc, il y a toujours moyen d'acheter avec Bitcoin si vous voulez vraiment le faire. Mais je dirais que dans les marchands de tous les jours, non, on voit pas énormément d'adoption. Il y avait une espèce de Fnac, l'équivalent de la Fnac au Japon, qui s'appelle Camera, qui acceptait Bitcoin. Et en fait, avant, j'utilisais ça et j'ai complètement arrêté quand je me suis rendu compte qu'il y avait un spread d'environ 7% comparé au taux de change normal. J'ai complètement laissé tomber. Du coup, c'est rigolo. On a eu une interview récemment avec Nicolas de Bitcoin Beach. Et donc, lui, il est au Salvador et c'est lui qui a créé le portefeuille donc, de Bitcoin Beach et qui a participé à toute cette évolution. Et lui, il pense vraiment que l'évolution de Bitcoin, la démocratisation de Bitcoin, va passer par le paiement dans les pays justement où ils en ont besoin, plus que par cette notion de technology go up, comme on le voit plus en Europe, États-Unis, Japon, Occident, etc. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu te dis le paiement, c'est premier ou secondaire? Parce que j'ai l'impression que tu travailles sur le paiement, mais en même temps tu vois pas vraiment l'action chez toi, donc c'est un petit peu un double courant. J'ai envie de dire, ça dépend d'où tu viens. Lui, il est à la Bitcoin Beach. Il utilise le paiement tous les jours. Il aide les gens au El Salvador d'accepter le Bitcoin. Donc, je dirais que sa vision est peut-être précise que la mienne là-dessus. Moi, de mon côté, j'avoue que j'aime bien le CAC. Enfin, je trouve que le CAC, il n'y a pas plus anonyme, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas besoin d'avoir Internet, il n'y a pas besoin de batterie, il n'y a pas besoin d'app. C'est simple, quoi. Ah ben, j'adore le Après, la cash. question. Voilà, j'adore le CAC, mais après, le problème, c'est que le CAC, il va peut-être pas exister jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on voit très bien que les banques centrales, elles attaquent le cash de tout ce qu'elles peuvent. J'ai de la chance, au Japon, le cash, c'est utilisé partout. Et tu pouvais vraiment aller payer vos taxes avec le paquet de pistons et leur donner, il n'y aura aucun problème. Putain, c'est génial ça. Y a aucun problème pour le cash. Un jour, j'ai vu ma femme, pour une certaine raison, elle devait retirer de l'argent d'une banque pour le mettre dans une deuxième banque. Et plutôt que faire un virement, elle a dit, ouais, ça coûte trop cher les virements, je vais plutôt retirer en cash et redéposer en cash. T'imagines comment Et c'est impossible en Europe ça? En France, c'est ça, 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 impossible. ça devait être un truc du style 20 000 dollars ou 30 000 dollars, je sais rien. Mais je me suis dit, mais non, mais ça ne va pas être possible. Et en fait, si elle va à la banque, elle a son paquet de cash, elle va aller dans une ATM. Elle met son paquet de cash et ça marchait, il n'y avait jamais eu de problème. Et j'étais, mais génial ce pays. C'est vrai que quand je vois que dans un pays où cash marche bien, bah j'avoue que je vois pas quelque chose qui peut être mieux que ça. Mais après, voilà, dans d'autres pays qui ont d'autres problèmes, bah, comme El Salvador, ils ont d'autres problèmes.
Si vous voulez faire de la rémittance, d'envoyer des dollars d'un pays à l'autre, bah, vous allez payer, je sais pas, entre 10 et 20% de spread. C'est un gros problème. Si vous êtes peut-être dans d'autres pays qui n'autorisent pas de cash et que vous n'êtes pas dans les, vous cochez pas les bonnes cases pour avoir votre compte en banque digitale, vous êtes embêté. Bah là, Bitcoin, c'est votre ligne de survie. Donc, je dirais que ça dépend un peu de la situation de la personne avec laquelle, que la personne se trouve. Et en général, je suis un gros fan de toujours utiliser la solution la plus simple qui fonctionne. C'est vrai que le CAC pour le paiement, je trouve que c'est la plus simple, mais pas toujours disponible. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, hein, personnellement. C'est pareil, rien que pour avoir le cash, rien que pour avoir du cash, pour certaines personnes, c'est pas possible. Par exemple, pour ouvrir un compte en banque au Japon, c'est difficile, il faut que vous ayez un travail. Donc du coup, comment vous faites pour recevoir le cash si quelqu'un essaie de vous... Enfin, imaginons que vous trouvez un boulot. Quand vous trouvez un boulot, il essaie de vous payer, mais vous n'avez pas encore votre compte en banque. Et là, les banques, elles peuvent, pareil qu'en France, elles peuvent vous refuser pour des raisons X ou Y. Comment vous faites pour refuser de cash? Donc après, voilà, c'est pareil. Peut-être que ce genre de personnes peuvent avoir des problèmes et au final tomber sur Bitcoin pour tourner les situations. Donc ouais. Je viens d'un monde différent que les gens de Bitcoin, des gens de Bitcoin Beach, mais j'avoue que je suis impressionné par ce qu'ils ont pu faire. Et moi, du côté de paix, on peut dire ouais, je suis en train de faire un processeur de paiement, mais je crois pas en paiement de Bitcoin. C'est pas vrai. Je parle du côté retail. Je parle vraiment des boutiques qui vendent. Qui ont leur propre store et qui vendent en Ouais, en public. physique, en présentiel. Mais enfin, si vous avez acheté quelque chose sur Internet, Bitcoin, c'est beaucoup plus simple qu'une carte de crédit ou quoi que ce soit. Et là, je vois sur Internet, je suis convaincu que Bitcoin, c'est la monnaie d'Internet au final. Et du coup, on est tous les deux, bah, pour la vie privée, mais d'un point de vue assez poussé, hein, c'est pour ça qu'on aime bien le cash et que c'est important de tout cet aspect. Bitcoin, digital cash, enfin cash digital, c'est l'idée. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a des limitations à ça. Souvent, au début, on disait tout le temps, ouais, Bitcoin, c'est anonyme. Bon, évidemment, ce n'est pas anonyme, vous le savez si vous suivez la chaîne, hein. Il y a des problèmes maintenant d'analyse de chaîne, les KYC, le suivi. Enfin, il y a un certain nombre de points qu'on aborde très souvent dans la chaîne et je pense que tu es même plus familier que tout le monde ici. Tu parles souvent qu'il faut flouder ces sociétés d'analyse de chaîne. Tu parles de PageRank. Alors, on sait qu'on a donc Wasabi ou Samurai, c'est un autre débat. Mais outre ça, l'important, c'est vraiment faire attention et se mettre à faire les bonnes pratiques pour que le jour où on n'a plus de cash, parce que bah, le cash va disparaître, ou du moins il est voué à disparaître dans le long terme à cause des CBDC, des banques centrales, etc., on arrive à utiliser Bitcoin de façon anonyme, facilement, pour l'utiliser à leur lambda, sans qu'il ait besoin de faire des milliards de Alors, solutions un peu compliquées, quoi. Je sais pas, c'est quoi ton point de vue là-dessus? mon point de vue là-dessus, les régulations sont vraiment à double tranchant pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, les régulations rendent la vie de plus en plus difficile aux professeurs de paiement centralisés qui veulent suivre les régulations. Et en fait, pour nous, c'est bien. Enfin, pour J'imagine. BTP Server, c'est bien. Parce qu'au final, si ces services-là deviennent difficiles du bah, les gens ils vont utiliser BTP Server, donc nous on s'en plaint bien sûr parce que c'est pas éthique, c'est pas normal, mais au final, une fois qu'une personne, imaginons que vous êtes un marchand, vous utilisez une solution de paiement centralisée et qu'un utilisateur essaie de vous payer par exemple 3 000 euros. Je dirais 3 000 euros. Maintenant, imaginons que votre client il envoie l'argent à une adresse que votre processeur de paiement donne, et que ce processeur de paiement, pour une raison ou pour une autre, il bloque cet argent et il demande à cette personne de lui envoyer des paperasses pour suivre le KYC. Et en fait, peut-être que dans la situation de la personne, ces paperasses, ils n'ont pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé à un moment où j'avais pas d'adresse. Quand je suis arrivé au Japon, notamment, j'avais pas d'adresse au final. Donc, si on me demandait de faire du KYC, je pouvais pas faire de KYC. Pas vraiment d'adresse. Et en fait, on peut arriver à une solution à un moment où votre client vous a payé, vous n'avez pas reçu l'argent,
Et votre client, il est bloqué au milieu. Et en fait, votre client, il va se retourner contre vous. Mais c'est pas Il va votre. dire, attendez, je vous ai envoyé 3000 balles. Vous dites que vous l'avez pas reçu, j'ai payé à votre adresse. Et vous allez dire, ah oui, mais c'est notre processeur de paiement intermédiaire qui bloque l'argent. Et le client, il va vous dire, c'est pas mon problème. Moi, je vous ai envoyé mon argent. Ne m'attendez pas à avoir mon argent qui soit bloqué comme ça. Réglez cette situation. Et en fait, quand cette situation arrive à un marchand, moi, enfin, qui arrive la plupart du temps, c'est que le marchand, je pense qu'il rembourse le client et paye, enfin. Paye les frais, il perd un client, Oui. c'est le bordel. Voilà, Bon, il perd un c'est. client, c'est le bordel. C'est la perte de temps. Et au final, ce qui se passe, c'est que les marchands qui vont avoir la. Ils commencent à chercher une autre solution. Et quand ils cherchent une autre solution, ils vont chez nous. Et une fois qu'ils sont chez nous, vous êtes sûr qu'ils vont jamais se barrer. Ils vont rester chez nous. Parce qu'en fait, BTCP, le truc, c'est qu'une fois que c'est installé et que c'est sur votre serveur, au final, ça va toujours tourner. Et si jamais vous avez un problème, les problèmes techniques, c'est très facile à résoudre comparé aux problèmes de régulation. Et donc, si l'argent de votre client est bloqué au milieu par cette société de paiement, vous pouvez rien faire. Vous pouvez essayer d'embaucher un avocat ou ce que vous voulez, vous devez payer des sommes astronomiques. Vous pouvez rien faire. Si vous avez un problème technique, au pire des cas, si vous avez un problème technique sur BTCP, ça se trouve, vous n'allez jamais avoir de problème. Mais si vous avez un problème technique, le truc, c'est que vous pouvez venir sur le chat. On a une grosse communauté de personnes qui répondent aux questions et compagnie. Et vous allez trouver une solution. Et je pense que pour les marchands qui ont eu ce problème d'argent qui a été au final, c'est une rançon, en fait, c'est une rançon au final, hein, c'est un problème de rançon. Au final, quand ils utilisent BTCP, ils veulent plus revenir en arrière, hein, que c'est, ils veulent plus se retrouver dans ces problèmes-là. Voilà, j'ai envie de dire que ces régulations, d'un côté, malheureusement, parce que bon, bien sûr, je ne supporte pas ces régulations, je pense que elles vont à l'encontre de beaucoup de problèmes éthiques. Mais néanmoins, en faisant ça, donne le goût à plus en plus de personnes d'utiliser nos services à nous. Donc, ce qui est le bon côté de la chose. Ah non, c'est logique en même temps. Tu parlais également de ça en mode est-ce qu'on peut encore bannir Bitcoin? Et souvent ta réponse c'est bah non, parce que les gens ils vont simplement changer de pays. Ils vont aller là où la liberté est, là où la simplicité est, là où le produit est. Et clairement, enfin moi j'ai même pas envie d'essayer de mettre une carte de crédit parce que je sais déjà que Bitcoin ça va être mieux. C'est un Oui. no-brainer, tu vois. Et donc je vais pas m'embêter à aller dans un système plus compliqué qui va être coûteux et emmerdant. Alors que mettre en place un système BTPC. C'est super bien documenté dans plusieurs langues, c'est accessible et c'est simplement mieux quoi. Ouais, et c'est gratuit. Oui. Quand tu utilises des solutions de cartes de crédit et compagnie, ils prennent quoi? Ils prennent je sais plus, entre 1 et 5% Ouais, c'est de ça, 1 et com. 3, ouais. Et avec toutes les emmerdes que vous avez, avec les chargebacks qui peuvent vous tomber dessus, au final, les cartes de crédit pour les marchands, c'est beaucoup plus compliqué qu'une solution de paiement Bitcoin. Après, voilà, le truc qui est important, c'est vraiment d'avoir une communauté qui soit derrière. Ou par exemple, si un marchand veut mettre Bitcoin en place, qu'il arrive à trouver les personnes, au final, ce que tu fais, hein, c'est qu'il arrive à trouver la personne à parler. Mais même toi, je dirais, tu vas avoir une limite. Tu vas peut-être pouvoir personnellement aider deux, trois marchands Ah qui bah vont te ouais, poser la question en c'est pour ça que Ukraine. tout part en vidéo maintenant. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je me suis Voilà. rendu compte que c'était impossible physiquement d'aller dans les écoles, les universités, les marchands et se Oui. déplacer. J'ai dit, bon, bah, ok, on lance la chaîne YouTube, et au moins, tu as des formations, tout est gratuit, toutes les formations sur la chaîne sont gratuites, hein, plus documentation écrite, et c'est en mode, bon, bah voilà, si vous êtes débrouillard, vous faites ça. Si vous voulez payer plus cher et qu'on vienne vous aider, on vous aide. Mais tout seul, vous pouvez y arriver parce que bah, ça prend X temps, mais au moins, à la fin, vous avez la solution. Ce qui est un problème de scale-up, quoi. Et ça va être compliqué d'accepter, enfin que tout le monde, enfin, il va falloir du temps quand même. Moi aussi, je suis ce que j'aime bien aussi, c'est que, imaginons que vous voulez apprendre à comment utiliser les cartes de crédit, une solution de paiement, quelque chose. Si vous voulez avoir un formateur, c'est probablement les formateurs doivent être agréés et compagnie. Alors que là, vraiment, les personnes qui connaissent Bitcoin, j'ai envie de dire, ils peuvent proposer ce genre de formation en direct. Et si vous avez une communauté de personnes qui connaissent Bitcoin,
j'ai envie de dire, ces personnes peuvent gagner de l'argent en aidant d'autres personnes à apprendre Bitcoin, et il n'y a pas besoin d'avoir de permission. Parce qu'au final, c'est pas comme si vous avez une solution de paiement centralisée qui va dire bah, toutes les formations doivent passer par nous. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, les gens ils peuvent. Bitcoin, on peut grossir sans limite, parce qu'au final, n'importe qui peut donner des formations. Ouais, c'est ça. Et puis, on est très. Ça, c'est une grande force de la communauté Bitcoin, hein, parce qu'on est tous un peu dans le même combat et on a les mêmes. Certaines valeurs un peu communes, c'est qu'on s'entraide vachement. Je veux dire, déjà, on a la notion d'open source qui n'existe pas forcément dans tous nos concurrents traditionnels. On donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour que tout le monde puisse implémenter ce qu'on pense être la chose éthiquement correcte. Et ça, c'est une vraie force qu'a la communauté. Et d'ailleurs, merci pour ton travail. Hein. Au nom de toute la communauté francophone, je me permets de te le dire. Hein. C'est tellement bien. Enfin, c'est ouf qu'on en soit là après 12 ans. Et enfin, poser la question, c'est quoi Bitcoin dans 10 ans quoi, quand tu doubles l'expérience de Bitcoin. Où est-ce qu'on, ben, je suis vraiment content. Plus le temps passe, plus de mon côté, plus je suis content de la communauté Bitcoin en général. Lightning, comme tu peux le voir, ça décolle un peu de ouf. Ouais, mais même moi, au début, j'étais dubitatif sur Lightning. J'ai bien aimé. Hein, enfin, j'utilise, dis ok, ça marche, mais ça va être difficile. Et compagnie. Enfin, quand j'ai commencé Lightning Network, j'étais assez dubitatif. Et faut forcément constater que ça marche et que ça se développe. Hein, et ça n'a pas l'air de s'arrêter, ça a l'air d'accélérer. Donc, je suis super content, moi. Et même depuis 6 mois, j'ai l'impression que la courbe est vraiment partie exponentielle. Enfin, en quantité de Bitcoin bloqué, développement, enthousiasme, les échanges qu'il adopte. Un pays entier, enfin, c'est quand même, on marche sur la tête, quoi. Enfin, c'est trop cool, mais c'est. Ouais. C'est... Qui aurait prédit ça, quoi? Mais j'avoue que je suis toujours plus on-chain que Lightning de mon côté. Ouais. Quand j'ai commencé Lightning, en fait, quand on a commencé à mettre Lightning sur des serveurs, on mettait de gros warnings. Warning en disant faites attention, c'est reckless, vous risquez de perdre votre argent. En fait, on essaie de décourager les gens, pas les décourager à mettre Lightning, mais faire en sorte que les gens qui utilisent Lightning, ça soit vraiment les vrais Bitcoiners, c'est les avant-gardistes. Ils savent c'est dans le coup, mais ils s'en foutent, quoi. Ils veulent être essayer le truc et ça. Et ouais, maintenant on a dépassé ce stade au final. Non, on est plus dans ce stade. Moi, j'utilise plus on-chain que Lightning encore, mais bon, au bout d'un moment, je pense que ça va. Je pense que je vais faire comme tout le monde et passer à Lightning aussi. Ouais, non, mais moi aussi. Enfin, j'ai un peu de mal à faire la transition parce que bon, t'as tes petites habitudes, mais ça marche. C'est ça qui est plutôt fou. On dit que Lightning Network, ça avait passé le stade des hardcore Bitcoiners. Et que je suis content, au final, la plupart de la communauté de développeurs Bitcoin comprennent bien l'enjeu de décentralisation. Donc, et je trouve que ça va être de mieux en mieux parce qu'il y a de plus en plus de développeurs. Rien que de trouver un wallet, vous avez, il y a peut-être 20 solutions qui existent sur le marché. C'est beau à voir, quoi. Moi, j'aime bien aussi voir l'adoption des marchands. Donc maintenant, ils proposent des fois leur retrait directement vers Lightning. Donc ça, c'est super pour l'adoption. C'est important parce que il y a fort à parier que si Bitcoin continue à monter et que bah, forcément il y a de plus en plus d'engouement pour la chaîne principale, l'utilisateur lambda, il va quasiment jamais utiliser la chaîne principale. Ouais. Alors les Bitcoiners hardcore, ceux qui étaient là avant, évidemment. Mais ça va être des services finalement, ça va être des intermédiaires, je ne vais pas trop dire ça, mais dans l'idée. Et le gars normal, il va tout de suite récupérer sur un wallet Lightning, il ne va pas comprendre, il ne va pas se poser de questions, et il va l'utiliser instantanément. Parce que comme ça, on va faire la promesse du cash digital, vu qu'il y a quand même un petit peu plus d'anonymat sur Lightning que on-chain. Donc c'est gagnant-gagnant. Enfin, moi, ça me va, moi j'aime bien Lightning. Ouais, hein. Ouais. Et après, il faut faire gaffe, au El Salvador, la plupart des marchands utilisent une solution de custodial. Ouais. Qui est donc le Chivo Wallet, c'est à peu près, c'est custodial. Et bon,
Je suis assez mixte là-dessus. C'est un danger. Si tout le monde se met à utiliser ça, c'est un danger. Mais le truc, c'est que à ce stade, enfin, mais même, en fait, ce serait un danger s'il y aurait une seule boîte à l'échelle internationale qui essaye de faire de la custody. Et en fait, on est dans le stade dans Bitcoin où il y a beaucoup de boîtes qui font du custody, qui sont dans différentes juridictions. Et si jamais il y a un problème je sais pas, il y a un custodian qui dit OK, bah je vais faire tourner un fork de Bitcoin, ça va être le gros merdier parce qu'ils vont pas pouvoir se mettre d'accord. D'un certain côté, je dirais qu'on est encore, c'est encore, on est encore tranquille. Mais bon, du côté d'El Salvador, la plupart, ils sont quand même en train d'utiliser cette solution de custody. Donc, Ouais, je suis... il faut faire gaffe, c'est encore bon, mais voilà, j'espère que c'est pas j'espère que c'est le début, le temps que les gens apprennent et qu'après ils vont avoir leur propre solution. J'espère, mais on va voir comment ça se déroule. C'est rigolo ce que tu dis, c'est intéressant. Du coup, le fait que le custodial soit vraiment décentralisé, c'est bizarre de dire que le custodial est décentralisé, mais dans l'idée, ça fait qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir que si jamais, voilà, c'était d'un coup, ils agissaient. Et ça ferait un énorme coup, bah, comme Mt. Gox à l'époque. Finalement, ce serait un gros coup dans l'industrie. Bon, bah là, t'as 2-3 custodials qui sautent. Ce serait positif pour Bitcoin. Voilà. Ça montrerait à tout le monde, genre, bah, dégagez Ouais. votre argent de là-bas, quoi. Oui, pas exactement. Bon, et puis après, faut dire que le système classique bancaire, avant que les banques centrales essayent de tuer toutes les banques en les consolidant, c'était aussi un peu décentralisé au final, hein. Si tu avais une banque qui sautait, ça pouvait pas trop il y avait pas trop de contagion et compagnie. Mais le problème, c'est que bien sûr que les banques centrales, elles essayent de centraliser de plus en plus de pouvoir, elles consolident les banques, et au final, on se retrouve dans un système où il y a très peu de grosses méga banques qui existent, et que s'il y en a une qui pète, au final, C'est y too a big tout to qui pète fail. ensemble. Voilà, donc ouais, dans Bitcoin, même s'il y a beaucoup de custodiens, c'est bien. J'ai aussi un peu peur aussi de la. Il y a un autre type de custodien qui fait un peu peur. C'est. Attends, j'ai plus d'exemple exactement en tête, mais en gros, les grosses sociétés, les gros hedge funds qui essayent d'investir dans le Bitcoin Ah oui, et qui pour leurs passent et ils clients. achètent des contrats Bitcoin en Voilà. WBTC Voilà. ou des trucs comme ça. Voilà. Ou non, ils achètent sur. Ils achètent sur Gemini, les GBTC, je crois qu'ils appellent ça, sur Gemini, où des fois ils demandent la custody à Bitcoin, par exemple. Et là, tu te dis, putain, ils sont en train de refaire, en fait, et au final, ils sont en train de retomber dans le piège où c'est le même custodien qui commence à centraliser. Donc ça, c'est bon, c'est quand même j'ai envie de dire, un développement que j'aime pas trop. Mais bon, on est encore bon, et il va peut-être avoir une limite, je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Ah Enfin, on va bah, voir, mais je ne sais pas si ça va continuer comme ça. il y a la peur, je te rejoins là-dessus. Hein, donc, le custodial, enfin, à petite échelle, dans tous les cas, tout le monde ne va pas pouvoir gérer ses bitcoins. C'est un truc que je dis souvent. Genre, si on arrive à avoir déjà 10-20% de la population française qui gère ses coins, c'est immense. Tu vois, il faut simplement qu'on ait une grosse minorité. Donc, c'est un service à la limite qui est utile. Le problème, c'est quand ça devient trop centralisé, qu'ils vont commencer à créer des papiers bitcoin. Donc, ils vont te dire on a tel bitcoin dans le compte bancaire. Mais finalement, on en vend autant, bah on refait du fractional, exactement comme on en fait aujourd'hui, sur Bitcoin. Et donc, ils vont nous dire, ouais, mais 21 millions de Bitcoin, il n'y en a pas vraiment 21, tu peux en créer autant que tu veux avec des faux Bitcoin. Et ça va faire mal le jour où ça pète, parce que ça peut grossir, grossir. Sauf que dans Bitcoin, il n'y a pas de bailer of last resort. Enfin, il n'y a personne qui va venir vous sauver si vous n'avez pas vraiment des Bitcoin. Et c'est là où avoir son nœud, avoir son portefeuille, comprendre, utiliser BTP serveur, ça permet de dire, bah non, en fait, moi, si tout pète, ma société, elle peut continuer à faire son business as usual, quoi. Les clients peuvent me payer, moi, j'ai toujours ma trésor, j'ai toujours mon argent, tout le système s'écroule, je suis complètement safe-proof, tu vois. Et de plus, ces sociétés vont se mettre à implémenter des systèmes tiers de paiement Bitcoin, au lieu d'être un truc open source comme ce que tu proposes. De plus, ça peut poser des vrais problèmes systématiques dans le système. Et finalement, refaire exactement ce qu'on a fait, quoi. On répète les mêmes erreurs du passé. Ouais,
On va voir comment ça se développe. Par exemple, bon, je sais pas si typiquement Michael Ouais, par exemple. Saylor, c'est pour MicroStrategy, il me semble, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est du self-custody et que là, il le passe pas, enfin, il laisse pas ça à quelqu'un d'autre. Et c'est encourageant. Ça, c'est encourageant, j'aime bien. Et bon, espérons. On va voir comment ça se développe. Et moi, ce qui me fait le plus peur avec ces gros custodiens, c'est quand ils se mettent à implémenter des blacklists des gouvernements en disant, attends, ces coins sont sales, ces coins sont pas sales, et qu'au final on se retrouve avec une monnaie non fongible. Mais j'ai envie de dire à ce stade, s'ils essayent d'implémenter ça va plus impacter les services de custody. Que les ah bah d'ailleurs j'ai une anecdote sympa à expliquer là-dessus après. Ça va plus impacter les custodiens que ça va impacter la communauté Bitcoin en fait. Parce qu'au final ceux qui vont se retrouver dans la verte c'est les custodiens, c'est ceux qui envoient de l'argent aux custodiens, donc c'est pas les Bitcoiners. Alors il y a une petite anecdote que j'essaie de dire par exemple. Ouais, concernant les blacklists, les blacklist coins, actuellement, c'est un gros problème pour les custodians. Donc, par exemple, je vais te prendre un exemple, Bitpay. Donc, Bitpay, quand ils reçoivent des bitcoins qui sont flag sur cette blacklist, le problème, c'est que enfin, la loi les oblige à friser les coins et à confisquer ces coins. Donc, si vous êtes un marchand, au final, ça veut dire que le client vous a envoyé de l'argent, vous ne l'avez jamais reçu et il s'est fait piquer cet argent par ce processeur de paiement. Et en fait, c'est un gros problème par le processeur de paiement parce qu'après, c'est pareil. Pour eux, c'est une histoire de support. Ça se trouve, ils vont avoir des avocats qui vont les poursuivre. Donc, pour eux, c'est un problème, tu vois. Ceux qui sont impactés par ces listes noires, au final, ce n'est pas les bitcoiners normaux, hein. C'est les processeurs de paiement enfin, les processeurs de paiement centralisés qu'on trouve dans la merde. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont créé un nouveau protocole, BPA a créé un nouveau protocole pour les payer. Alors, tu sais, avant, il y avait un autre protocole qui s'appelle le BIP70. Et là, ils ont essayé de créer un autre protocole. Et le truc, c'est que dans ce protocole, le wallet, il doit créer la transaction non signée, leur envoyer la transaction non signée. Et en fait, là, ils vont te dire, OK, ça passe les checks, c'est bon, maintenant tu peux la signer. Mais heureusement, c'est qu'il n'y a aucun wallet qui implémente leur merde. Donc du coup, ça veut dire qu'au final, ils n'y arrivent pas, ils sont toujours dans la merde. Et moi, j'aime bien cette dynamique, parce qu'au final, ils ont essayé d'imposer ce protocole, et les bitcoiners, bah, ils ne l'implémentent pas. Et au final, bah, s'il n'y a aucun wallet qui l'implémente, bah, ils ne peuvent rien faire. Et ça veut dire que toutes ces régulations, ça les impacte eux, ça ne nous impacte pas les bitcoiners. Le marchand qui accepte directement les bitcoins sur BTC Server, il sera jamais emmerdé là-dessus. Donc voilà, c'est encore un exemple où les régulations au final, elles ont pour résultat de rendre la chose encore plus décentralisée. C'est pour ça que Bitcoin, on dit que je me souviens plus le terme là, de Taleb. Ah, antifragile. Antifragile, voilà, antifragile. Où, au final, plus tu essayes de résister, plus ça te revient à la gueule. Et c'est encore un exemple parmi tant d'autres qui montre à quel point ça marche. Ouais, c'est beau. On parle souvent de Bitcoin blanc et noir. Il y a la vidéo, ma première, sur le monopole bancaire. Je vous explique, ben voilà, pourquoi finalement les banques, les régulateurs sont obligés de faire ça. Finalement, qu'ils s'autodétruisent à petit feu, parce que de plus ils en mettent, de plus ils vont finir obsolètes par Internet et les bitcoiners. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et c'est toujours cette notion que pour un nœud, une transaction, c'est une transaction. Le nœud, il s'en fout qu'il soit blanc ou noir. Ça ne l'intéresse pas. C'est subjectif. C'est l'être humain, c'est les régulateurs qui décident si ça va être autorisé. Dans un pays, ça peut être blanc, dans un autre pays, ça peut être noir. Donc ça a aucune logique. J'ai récemment interviewé Ludovic Vars, pour ceux qui le connaissent,
Et lui, il fait pas mal, enfin, il étudie pas mal sur l'analyse de chaîne, et il avait fait un workshop à Surfing Bitcoin pour montrer voilà, comment Alphini avait menti. Et en faisant de l'analyse de chaîne, on se rend compte finalement que quand il nous a dit j'ai débranché les mineurs parce que ça faisait trop de bruit, en fait, pas du tout, il a continué à miner pendant plusieurs mois, on va dire sans vraiment le dire. Et du coup, il y a toute cette question d'analyse de chaîne. Et du coup, tu dis c'est super BTP Server parce qu'il faut vraiment mettre que tous les coins soient noirs. En fait, la solution, c'est que tout soit noir et. Bah, si tout est noir, finalement, t'arrêtes de te faire chier et t'acceptes tout, quoi. Comme le cash. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que la dernière version de BTP Server, on active PayJoin pour les marchands qui utilisent le hot wallet par défaut. Ah, ces trucs, Donc, c'est qu'est-ce trop que cool ça veut ça. dire? Ouais, ça veut dire que si vous êtes un marchand, que vous utilisez BTP Server et que vous n'utilisez pas un hardware wallet, vous utilisez directement le wallet intégré à l'intérieur de BTP Server. Il y a PayJoin activé et ça veut dire en pratique que quand un client qui supporte ce protocole aussi essaye de vous payer, vous allez mixer vos coins avec le client et protéger sa vie privée et en fait la vôtre aussi par la même occasion. Et le but de ça, c'est bah, en effet de rendre que tous les coins soient noirs, mais en plus de ça, d'empoisonner l'analyse. L'analyse de chaîne. Donc, en fait, vous voulez que ces sociétés d'analyse de chaîne, ils se basent sur des heuristiques, on appelle ça. Donc, comment on dit ça en français, heuristique? Non, si, c'est comme ça C'est, que Ludovic dit ouais, également. c'est des règles. C'est des règles qui sont pas forcément vraies, mais qui sont vraies la plupart du temps. Et à partir de ces règles, tu peux déduire à qui appartient un certain utilisateur. Et en fait, le truc, c'est que ces règles, en fait, tout le monde les connaît. Et en fait, du coup, si tout le monde connaît ces règles, ça veut dire qu'on peut les utiliser Contre. en contre-attaque. Et l'activation de PayJoin, en fait, ça fait ça. En fait, il y a une heuristique qui dit que quand il y a une transaction, tous les inputs de la transaction appartiennent à la même personne. Donc, en fait, les sociétés d'analyse de chaîne, elles se disent. Ok, il y a une transaction, c'est une personne qui envoie à une autre. Si cette transaction ressemble à ça, c'est une personne qui paye une autre personne. Et en fait, l'avantage de PayJoin, c'est que au final, ça empoisonne leur analyse parce qu'ils vont croire que c'est le cas, mais en fait, c'est pas le cas. La transaction, c'est deux personnes. Enfin, dans Ouais. les inputs de la transaction, c'est deux personnes et pas une seule. Et ça veut dire que ça les empoisonne. Et ça veut dire que toute leur analyse qui va découler de cette analyse initiale empoisonnée sera aussi empoisonnée. Et après, donc du coup, après, ça devient très difficile de prouver un cas parce que tout simplement, tu peux dire, enfin, imaginons même tu vas, je sais pas, tu dois aller en cours, tu dois te défendre face à un juge en défendant que tes coins ne t'appartiennent pas. Tu pourras toujours invoquer. Ah ouais, vous êtes basé sur des heuristiques, mais il est bien connu qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de tromper ces heuristiques, et donc vous pouvez pas vous baser là-dessus. Et si ça arrive, bah au final c'est la fin de ces sociétés d'analyse. Donc oui, c'est pour ça qu'on active. Maintenant, on active PayJoin par défaut. Par défaut, mais c'est une notion très cypherpunk, hein. Privacy by default, c'est toujours Voilà. c'est l'idée, ce qui est une notion qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on a perdu depuis, donc c'est pas ouf. Ah ben, voilà. Après, il y a aussi le cas qui peut se poser où on dit ben, le marchand il perd un peu de la vie privée aussi, et c'est partiellement vrai. Parce qu'en fait, imaginons que vous avez un acteur malicieux qui veut connaître le wallet du marchand, en fait, il peut essayer de créer plusieurs PayJoin. Et en faisant plusieurs PayJoin, mais en annulant le PayJoin au milieu, en fait, ils peuvent découvrir ce que le marchand possède. Mais dans BTP Server, si quelqu'un essaie de faire ça, en fait, c'est très facile à voir parce qu'en fait, dans la liste des transactions que vous recevez, il y a une petite qui met PayJoin exposed. Et ça veut dire que cette crypto est connue de quelqu'un qui essaie de faire un PayJoin mais qui l'a annulé, en fait. D'accord. Et donc voilà, et puis ça coûte de l'argent aussi, ça leur coûte de l'argent d'essayer de faire les attaqueurs. Donc, le truc, c'est que si quelqu'un veut attaquer, ça doit être une attaque ciblée, ça ne peut pas être une attaque de masse.
et une attaque passive comme ce qui arrive avec les sociétés d'analyse de blockchain. Ok, trop cool, trop cool. Et c'est bien parce que donc outre évidemment ça, on a déjà parlé, je sais que t'es pas très fan de samouraï, mais on a eu des tutoriels samouraï, un tutoriel sur Wasabi qui arrive prochainement sur la chaîne. Donc il y a des outils, tous avec des compromis, hein, qui peuvent être exploités. Et c'est super important également, on rappelle les règles rapidement, ne réutilisez pas vos adresses. C'est important de toujours créer une nouvelle adresse. Alors aujourd'hui, tous les portefeuilles le font par défaut généralement si vous prenez ceux que je conseille, mais c'est peut-être pas le cas tout le temps, donc faites attention à ça. Évidemment, il y a des solutions d'achat de coins non KYC. On a déjà vu un tutoriel chez BISC. Il y a plein d'autres solutions, vous pouvez les retrouver également. Enfin, voilà, il y a des choses qui doivent être mises en place. Et c'est important que, on ne tombe pas dans la simplicité constamment en attendant qu'on arrive à par défaut. Parce que c'est pas non plus. On a du boulot quand même. Ouais. Bon, c'est bon, maintenant je crois qu'il y a trop d'adresses reuse, donc c'est Ouais, ça c'est ok, bien ça. vous retenez la chose. Mais tu vois, par exemple, moi donc je suis beaucoup avec des débutants. C'est la question numéro 1. C'est déjà, ils écrivent leurs 24 mots. La deuxième question, c'est attends, c'était pas la même adresse qu'avant. Est-ce qu'elle est toujours bonne? Et c'est une notion très différente parce que dans le marché, enfin, dans le truc traditionnel, ils ont un IBAN, ils ont un RIB et c'est toujours le même. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui doivent faire ce déclic et tant qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas essayé, c'est des blocages hein, que les gens ont quand même. Ouais, j'ai envie de dire que c'est un problème du X qui a été créé au début de Bitcoin et que maintenant bon, on peut plus revenir en arrière parce que c'est tellement déployé. Mais en fait, les adresses, ça devrait pas être appelé une adresse, ça devrait être appelé un deposit ID. Et je prends un autre exemple du X qui aurait été beaucoup mieux pour Bitcoin. Par exemple, j'ai un. Au Japon, il y a beaucoup de cartes cadeaux qui existent sous forme digitale. Hein. Vous installez une app sur votre téléphone et vous pouvez payer avec votre téléphone. Et en fait, la façon dont ça marche, c'est quand vous voulez payer, vous cliquez à un endroit, vous avez un QR code et vous demandez au marchand de scanner le code. Donc, vous, dans Bitcoin, c'est l'inverse. C'est la personne qui doit payer qui doit scanner le QR code. Et en fait, c'est une partie du problème. Je trouve que l'autre solution de plutôt c'est la personne qui veut payer, qui veut recevoir l'argent qui doit scanner, c'est plus logique dans le côté retail et ça aurait évité ce type de j'ai envie de dire de confusion des utilisateurs. Et ouais, ça aurait pas dû être appelé une adresse, ça aurait dû être appelé deposit ID, mais bon, Ouais, c'est vrai que. Je pense que quand Satoshi a commencé ça, le projet il devait être assez solo et il peut pas tout prévoir les enfin il aurait jamais pu prévoir tout ce genre de problème quoi. il a Il prévu beaucoup, mais je pense que on est. il devait être content que le code tourne déjà, tu vois. Après on verra pendant que ça roule. D'ailleurs, c'est une question que je pose jamais, mais Satoshi, bon allez, guest, qui c'est, mais on ne sait pas, mais je te laisse faire. Et encore en vie, qu'est-ce qui se passe s'il bouge ses coins? C'est une question que j'ai toujours. Je te la pose comme ça, je te délègue la responsabilité de la réponse. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, j'ai envie de dire que ça aura un impact sur le court terme. Après, sur le long terme, j'ai pas envie. Hein. Enfin, je pense pas que ça aurait un énorme impact. Même s'il a 1 million, c'est quoi? C'est peut-être. Attends, 1 million, c'est quoi? C'est 5% du supply. C'est pas non plus. Bon, c'est pas non plus la mer à boire. Je pense que ça aura surtout un impact sur le long terme et sur le côté. Ça fera beaucoup parler. Peut-être qu'il y aurait une chute de peut-être, je sais pas, 30-40%, mais bon, 30-40% dans Bitcoin, on a déjà vu ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais bon, sur le long terme, ça remet pas en cause l'aspect fondamental de Bitcoin. C'est comme quand il y a eu le crash de Mt. Gox. Hein. Le crash de Mt. Gox, il a pas remis en cause le La proposition Bitcoin de en valeur de lui-même. Bitcoin. Voilà, c'est moi j'ai de la chance de découvrir Bitcoin après Mt. Gox au final parce que quand j'ai découvert Bitcoin je me suis dit bah attends ce problème ça n'a rien à voir avec Bitcoin, enfin Bitcoin fonctionne toujours, la proposition de valeur c'est de protéger votre argent contre l'inflation et payer facilement sur Internet, bon, ça marche toujours, donc ouais, enfin je pense pas qu'il y aura un impact long terme si ça arrive. Alors moi, je suis surtout content qu'il soit. Enfin, évidemment, beaucoup de Bitcoiners pensent la même chose. Hein. On est content qu'il soit plus là parce que ça aurait pu. Enfin, on voit déjà comment son image est réexploitée
par des gens qui sont frauduleux ou à toutes les sauces en final. Donc qu'ils soient là, ça aurait remis encore de la complexité, de la politique, de la merde là-dedans, quoi. Et c'est vraiment la grosse différence entre les shitcoins et Bitcoin. Bitcoin est vraiment dans ce, ça doit être, c'est vraiment le seul coin. Vous n'avez pas une seule personne qui représente la communauté ou qui se considère comme le leader de la communauté. Et ça, je trouve que c'est vraiment très puissant parce que ça veut dire que, pareil, ça attire beaucoup de contributeurs parce que les contributeurs, ils se disent, bah, je suis en train de bosser pour quelqu'un d'autre, je suis en train de bosser pour Bitcoin. Et ça dépasse. Oui, c'est vrai que je bosse, ça fait 2 ans que je bosse sur Bitcoin, mais j'ai pas de boss. Enfin, c'est Bitcoin, et Voilà. on me dit, mais c'est qui te paye? Non, non, mais t'as pas compris en fait. C'est Tu vois, là, c'est bosse ça, sur un tu bosses pour protocole. Bitcoin. Ouais. Et tandis que si tu serais, par exemple, en train de bosser sur Ethereum, tu te diras, ok, je suis en train d'aider la fondation Ethereum ou une connerie comme ça. Et t'as, ou je suis en train d'aider Vitalik, ou si t'as une idée que Vitalik n'est pas d'accord, tu risques d'avoir des problèmes. Enfin, au moins, t'es sûr que t'as pas d'emmerde comme ça avec Bitcoin, quoi. Ah, tu demandes pas de permission, hein. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pas demandé l'autorisation à quelqu'un. Tu vois, c'est Ah. le Bitcoin, hein, tu te. Et ça, c'est le gros pouvoir de Bitcoin, je trouve. Et ça va pas disparaître, ça va disparaître. Donc, d'après toi, Bitcoin a un futur radieux devant lui. C'est bon. Enfin, on a. Ouais. Ah bah moi j'ai jamais été aussi bullish que depuis aujourd'hui Ouais, et chaque je dis jour un ça peu tous les plus. jours. Ah, c'est ça qui est bien. Eh bah écoute, bon, je pense qu'on va la couper là, ça fait quasiment 1 heure. Bon, déjà j'aimerais te remercier énormément, encore une fois pour ton travail et là surtout ton temps, hein, c'est super pour la communauté francophone de t'avoir. Enfin voilà, enfin, je dis souvent en plus c'est rigolo, Vous avez pour la moi. communauté francophone, on a des vrais talents. Je veux dire, on avait Pemium qui fait genre 10 ans, premier échange, on a Ledger, on a toi, c'est quand même fou, on a réussi, on Bah. est très bien positionné sur Bitcoin malgré les bâtons dans les roues qu'on pourrait avoir. Bah, putain, Pemium, il. Bah, je les plains, hein, je les plains, hein, parce que ça a été les premiers, ils auraient pu être enfin, les. Enfin, ça aurait pu être les Kraken, ça aurait pu être des Pitstamps, ça aurait pu être du Coinbase, et au final, ils sont payés en. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec la France, mais là, il y a une grosse perte. Ah ouais, non, mais horrible. Bah, je Ah vais là là. justement, là dans 10 minutes, je prends un train, je vais à leur 10 ans. Ah, ok. Ah ouais, Voilà. pareil qu'il y a Max Kaiser, je crois qu'il est Ouais, dedans. exactement, la marque. Je retrouve Julien de RGB. On aura des interviews par rapport à RGB. On prévoit une petite série, même si c'est super tech. Alors là, je vais perdre 99% de mon audience. Mais le but de cette chaîne, c'est d'avoir un maximum de contenu éducatif sur Bitcoin gratuit. Donc forcément, bah, s'il faut du contenu très très poussé. On va faire du contenu très poussé, hein. De toute façon, il en faut pour tout le monde. Ah ouais. Nicolas, c'est quoi le mieux pour te retrouver, te suivre sur Twitter, Insta, t'as peut-être un blog, balance-nous les infos pour que tout le monde puisse Voilà. te suivre. Alors le mieux c'est Twitter. Je suis toujours sur Twitter. D'ailleurs un peu trop. Il faut que je trouve quelque chose pour bloquer ça un peu. Et sinon, non, sinon, je suis toujours aussi sur chat.bcpserver.org. Donc en gros c'est notre plateforme de chat pour aider la communauté BCP Server. Donc vous pouvez aussi venir là et poser des questions ou juste ouais, voir comment la communauté va. Et ouais, je crois que c'est les deux meilleurs endroits. Si jamais on veut contribuer à PTP Server, ce serait quoi les étapes? Alors regardez, on a un channel sur YouTube. Donc je vous conseille, il y a beaucoup de vidéos dessus et il y a des vidéos d'ailleurs qui expliquent comment vous pouvez contribuer en codant sur BTP Server. Je crois que Sardev, il avait fait beaucoup de vidéos aussi de streaming. Oui. Où il expliquait pas à pas comment vous devez faire pour débugger ou genre de choses. Et je dirais que comparé à beaucoup de projets, contribuer à BTP Server, c'est très simple. En gros, si vous êtes développeur, si vous voulez contribuer, c'est une solution de .NET classique, donc très facile à utiliser avec Visual Studio ou Visual Code ou n'importe quelle idée que vous voulez. Et en fait, pour développer, on a un Docker Compose qui installe tout un environnement de test. En fait, vous lancez le Docker Compose et après, vous pouvez débugger et faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment très simple de contribuer à BTP Server. Mais bon, vous avez des vidéos sur Internet, hein, qui vous est, qui, ça et surtout sur notre channel sur YouTube. Super, et ben on mettra tous les liens dans la description comme d'habitude.
Nicolas, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tout. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Si vous avez la moindre question, mettez-la dans les commentaires. On fera peut-être un follow-up un de ces jours où je vous répondrai directement. C'est cool. Et comme limite, une fois que j'aurai la page de donation, le shop et un peu de trafic avec BTP, je vous ferai sûrement une autre vidéo sur déjà l'envers du décor. Il y aura la mise en place et le suivi, montrer exactement comment ça se passe. Parce que souvent j'explique que tu as la théorie et la pratique, c'est très important de faire la pratique. Et quand tu vois comment marche un paiement, quand tu achètes un premier objet ou un premier bien, service avec BTP Server, les Citadel 21 ou peu importe, enfin, ça arrive, tu as la page qui est parfaite, tu scannes et le problème réglé. Et si jamais tu as un problème, tu as ta tête en disant que y a rien de plus beau. Je sais pas si tu as déjà vu ce meme. Oh, je me suis perdu. Ah, du bah Je te le mettrai, je te l'enverrai un jour si tu veux. Ok, bon, merci d'avoir suivi la vidéo. oui. Merci Nicolas, au revoir. Allez. Allez, salut. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.